Recoucou, partie numéro 2. En fait, j'ai pause sur mon téléphone. Je me suis trompée de bouton. J'ai éteint. Je vais le mettre en pause. Donc, partie numéro 2. De toute façon, elle était assez longue la première. Alors, je vous montrais voici Olam Créat. Vous la verrez dans la première partie. Ensuite, alors j'ai envie d'essayer, comment il s'appelle le mec? C'est le concurrent à Tim Holtz. Je sais plus comment il s'appelle. Moi, lui, il fait beaucoup de cartes. Et il utilise ses... Ah ben, il n'y a pas marqué ce que c'est. Astro, elle est pas astro. Ou c'est un peu avec le couteau, vous savez, un peu comme les pattes de structure. Sauf celles-là, elles sont en couleur. C'est Ranger qui fait ça. Donc c'est du 59 ml. Ben, comme le glossy. C'est du bleu, mais. Il n'y a pas marqué la couleur exacte. Donc c'est des petits pots comme ça. Avec un... Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des paillettes. Bon, rien de tout. Il y a des paillettes. Non, mais... Il y a des paillettes. Oui, j'en vois mieux. Bon, je refais, c'est vrai. Donc j'ai pris en bleu, en... là c'est bleu avec des paillettes blanches, et là c'est un rose avec des paillettes rouges, peut-être qu'on verra mieux, non, brun, encore pire, des paillettes rouges, donc c'est des pattes de structure mais à paillettes. Ensuite, l'autre que j'ai pris, là c'est paillette dorée, une marron. Et on ne voit absolument rien. Voilà, peut-être là. Oui, hein? Paillette dorée. Et là que j'ai pris, j'ai envie d'essayer. C'est un stickers. Donc c'est une colle en gel. Donc j'ai pris, je sais plus comment ça s'appelait, un peu comme l'espace, la planète. Voilà, on voit loin, un petit violet. C'est un violet. Avec plein de... comment on appelle ça? J'ai pas... Je trouve plus les mots. C'est un peu comme des feuilles d'or, mais là c'est doré. Il y a du doré. Il y a du bleu, il y a du rose, il y a du gris. On voit plus mieux. Voilà, c'est mieux. Oui, comme ça. Là c'est un pot de. Alors, c'est la couleur Dark Matter. C'est Ranger qui fait ça. Et 29 minutes. Ticket sera le premier. Ensuite. J'allais dire, il m'en manque un. J'ai pris un blanc. Là, il n'y a pas de paillettes, je crois pas. Astropathe, il n'y a pas les couleurs. Ah, c'est comment il s'appelle? C'est marqué dessus. Mais c'est mon petit Simon Hurley. Voilà. Donc j'ai pris aussi en blanc. Parce que le blanc, je vais pas les ouvrir tout de suite. Il n'y a pas de paillettes dans le blanc. Enfin, un patouille, ça va bien.
Après. Un bon sensei, vous savez que j'adore les enamel dots. Donc là, j'ai repris de nouvelles couleurs. Bon. C'est ce qui va aller avec l'album de Mickey. Ouais, c'est la collection de Mickey. Donc on a rouge, marron, bleu, blanc et noir. Ça, un est pris deux. Il y en a 60. Ça part super vite. Après, là, c'est rien à voir avec Mickey. Il y a 24 pièces et des éphéméras. Alors là, pareil, je vous les sors pas. Parce que vraiment, ça va durer. Des pompes. Je vous montre derrière ce qu'il y a dedans. Donc, c'est les éphéméras en papier. Des cuts, carton. La collection My Dear Friend. J'ai pris cela. Et là, c'est la même chose, sauf là, sont les cartes de journal. Il y a 20 pièces. Il y a des petits bombis, les cartes du bingo et Titi. Ouais, elles sont trop sympas. Hein? Hop. On va essayer encore. Là, il y avait encore du... Oh, ça fait du bruit. Du Mickey. Voilà, c'est pareil. C'est un deuxième kit. Enfin. Hop. Là, c'est du 30,5. Je vérifie. Ah, ça n'arrête pas de tomber. Je reviens. Mais je ne sais pas combien de boutons. Donc, celui-là, c'est la même collection que je vous ai montré au tout début. L'autre, c'était le kit collector. Et là, c'est juste les papiers 30,5. Avec les stickers, il y a 91 pièces, il y a 12 feuilles avec des trucs autocollants et une feuille de stickers. Là, c'est papier, juste les papiers et une forme de stickers. Alors, attendez. Pourquoi ils nous sortent pas titulaire? Oui. Donc ça c'est bien. Parce que comme il y a 10 pages que j'aime bien dans l'autre, mais que j'aime bien les deux côtés, ben, ça va permettre d'utiliser les deux côtés. Et il y en a qui vont rigoler quand je vais dire ça. Mais moi, je ne peux pas faire un album si les couvertures de vente ne sont pas les mêmes papiers. Et pareil à l'intérieur. Je ne peux pas. Donc, du coup, ça tombe bien qu'il y ait en dos. Et, ah, là, je me suis fait plaisir. C'est 100 euros. Donc, c'est un kit de mini cartes et enveloppes. Je vous montre. Alors, c'est vachement épais. Donc là, c'est les cartes. Enfin, mini cartes, elles font 20, presque 20 sur 20.
Donc ça, c'est les quatre. Alors, il y en a une. Mais pas moi. Mais il serait compté. Eh ben non, j'ai oublié de compter. Une, deux, trois, quatre. Voilà. Il y a quatre de chaque. Ensuite, on a quatre roses, tout ça. Là, avec des petits pois. Et on a les enveloppes. Elles sont toutes pareilles. Ouais. Quoi c'est? Je crois que c'est collé. Et voilà les enveloppes. Donc c'est violet et des petites étoiles. Ça, c'était mon petit plaisir. Copieuse. Et dernière chose. Alors, c'est la collection pour Halloween. Pepper for You. C'est la marque Pepper for You. La collection Gothic Soul Collection. J'ai montré les papiers. Parce que là, on brinde tout avec le reflet. Alors, je vais juste remettre ça dedans. Sinon, je vais tout faire tomber. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Je me suis lâchée sur Disney. Pour une fois. Parce que avant, c'était Nina Scrabani qui avait aussi la même marque. Pepper for You. Non. Simple Story. Qui avait à l'époque, il y a quelques années, collection Mickey que j'ai encore. Certains papiers. Sauf que avec Joanna, quand elle a réussi à trouver, c'était la même. Je n'allais pas la reprendre. Et là, je suis ravie de m'avoir trouvé mes différents. Alors. Là, j'ai trouvé sur un petit album. Alors. Ouais, c'est un Pepper for You. C'est marqué en anglais, mais c'est une marque espagnole. C'est quand je vois ce qui est marqué en bas. 12 papillas de double 40. Bon, après, je vais pouvoir découper les éléments de la page de carte. Oh mon dieu, ça commence. Alors, ouais, c'est espagnol. Par contre, c'est du papier glacé. Comme souvent avec Pepper for You. Vous voyez, hop. C'est pas Halloween, c'est gothique. Après, on peut. Hein. Après, nous avons. Oh, pas, j'aime pas. J'aime pas la bébête. Scorpion. On coupera le scorpion. Non, on va prendre ce côté-là. Waouh, waouh, waouh. C'est une tuerie. Regarde son bras. C'est une tuerie, cette collection. Là, on a des squelettes. Une tête. Devant. Magnifique, rien. Là, on a des. Je fais du triangle. Waouh!
dessine. C'est dommage qu'ils aient pas les die-cuts, les stickers. J'aurais tout pris. Trop. Waouh, waouh. Les squelettes comme ça. Alors, autant. D'ailleurs, j'en ai coupé aucun. Des super collections de papier que j'ai. J'ai peur de me louper. Autant celle-là, ça va. J'aurais moins peur de tuer. Au milieu. Extra. Ça, il peut servir à Louis. Et là, on a les graines. J'ai peur, je vais essayer les araignées. Les chauves-souris. Elles sont trop belles. Là, il va falloir que je trouve un système pour utiliser de côté. Je ne sais pas comment. Ou alors, je le coupe en deux comme ça. Sauf qu'il va falloir que je fasse un album de 16, 17 à peu près. Sandra, il va falloir qu'il m'en fasse un noir. Un autre album noir. Oh la vache. Alors là, c'est demain, il va falloir couper les chauves-souris en deux. Pas grave. C'est une tuerie. Et là, c'est comme ça. Après, pourquoi je l'ai pas pris en double celui-là? Faut que je vois Jonas, je peux pas le recommander. Il est à tomber. Waouh! Là, c'est un peu le même style de tout à l'heure, sauf que c'est dans lui. Il fait comme ça. Ça va servir à Halloween. Wow, ah là on a des poisons, on va dire, et du squelette. Pas pratique à montrer les grands. Là, on a ça. Ah bah si, il n'y a pas les lunes, bien sûr. Je vais le couper. Je vais la couper. Ah, j'aime pas. Ah, celle-là, elles me font flipper. Les toutes petites, les grosses, ça ne me gêne pas. Mais là, elle a des pattes que j'aime pas. Donc, je vais le couper juste là. Et couper les pattes. Rejoins-nous si tu le veux. Non, je n'irai pas. Là, ensuite. Voilà, ça fait Harry Potter. Hein. Moi, demain, ils m'ont coupé en jumbo. Regardez. La chouette. T'as vu ça, Harry Potter. Mais j'aurais pu la mettre en entier. Donc, on a une chenille, une chauve-souris et des mouches. Et là, regarde. Ton gars qui t'acceptera. Je suis pas sûr qu'il marche. J'aime pas les serpents. Bah là, je ne pas. Je la paille en entier. J'aime pas ça. Elle est trop belle. À part un chua. Je couperai, j'enlèverai, je prendrai l'autre côté. Ça serait cool. Donc l'autre côté, c'est du chêne et un pont. Il y a un squelette. On voit tout. Voilà. Après. Là, c'est bon. Hop. Ça, c'est l'arrière. Après, on a moyen de découper les petits. Faire des points, celle de devant.
On fait les poupées. Hop. Trop bien. Franchement, elle est à tomber. Cette collection. Je sais pas si je vais prendre là. Peut-être pas tout de suite, à moins que je voie Joana. Parce que c'est une tuerie. Je lui demandais s'il n'y a pas des stickers ou des die-cuts, hein, comme ils font d'habitude. Hop. Donc voilà. Super collection. Voilà, ben c'était mon big haul. Rapadio. Hein. Après, là, je vous dis, il y a plusieurs mois. Hein, plusieurs mois. Je crois qu'il y a en août un peu. Septembre, ouais. Oui, c'est plusieurs commandes en fait. Voilà. Donc, ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Et demain, si je suis motivée, on fera quelque chose. Je ne sais pas quoi encore. Je serai prêt demain. J'ai une carte à faire pour remercier une fille qui m'a offert à moi et à d'autres. Vous savez, les petits blocs à 5 du stickers qu'elle avait acheté pour les copines, les filles. Et elle s'est retrouvée avec ça sur les bras. Donc, elle les donnait carrément. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Non, non, elle les donnait. Et donc, juste une petite carte pour la remercier, que je vais faire avec plaisir. De toute façon, j'avais l'intention, même si elle n'avait pas demandé, de lui faire une carte. Donc, voilà. Collection de dingue. Mickey. Que des nouveautés. Donc, on va laisser passer les fêtes, parce que là, j'essaie de trouver un moment. Faut absolument que je fasse un album. Sauf Sandra, tu peux me refaire un album en noir. Elle est adorable. Sandra, elle me fait tous mes albums, c'est juste que les pages à coller. Enfin, faire les pages et coller. Alors, comme je disais, ça fait du 15 si on coupe. 15, 15. 30,5, ça fait 15, 25. Donc du 17 sur comme les autres que tu m'as fait. Ce serait cool. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vais m'occuper de Cooper. Et puis donc, il y a des araignées et des serpents. Je veux pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.